avant. Ok, nous sommes avec docteur. Soy Ibrahim, chef du sous-bureau du Fonds des Nations Unies pour la population qui couvre la région administrative de Labé et Mamou, en même temps le co-team leader dans le cadre du Live in Aswan. Il faut reconnaître qu'en dépit des efforts consentis par le gouvernement guinéen et ses partenaires, il y a encore du chemin à parcourir. Parce que le slogan des Nations Unies, c'est de faire en sorte que personne ne soit laissé derrière et de commencer à penser aux populations les plus éloignées et les populations les plus marginalisées. Or, dans cette région, ces populations vivent dans des endroits souvent enclavés où il y a manque d'agents compétents, notamment des sages-femmes qualifiées, où tous les services sociaux de base indispensables pour son épanouissement ne sont pas disponibles. Et ceci entraîne des situations de complications lors des grossesses et aussi des décès maternels. Et la pandémie du Covid est venue aggraver cette situation. Parce qu'aujourd'hui, le personnel sanitaire et les autorités et beaucoup de partenaires consacrent assez d'efforts pour la lutte contre le Covid. C'est pourquoi le Fonds des Nations Unies pour la population a sensibilisé les autorités à travers cette journée mondiale de la population et tous les acteurs pour dire qu'au-delà de la réponse au Covid, il y a aussi les services de santé sexuelle et reproductive, la planification familiale, la protection de la fille contre les mariages et l'excision, les mutilations génitales qu'il faut aussi livrer parce que ce sont des besoins et qui font partir des droits fondamentaux de l'homme et particulièrement des femmes et des jeunes. Merci.